Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer avec les elfes sylvains sur la campagne, la saison de la révélation, donc la campagne solo des elfes sylvains. Et donc on s'était laissé sur une interception d'une armée de d'hommes bêtes qu'on va aller massacrer tout de suite. Et bien sûr, on est bientôt à la fin de cette campagne. On aura réussi à tout conquérir. Alors j'aurais pas tout conquérir parce que il y a une autre faction elfe qui a aussi pris beaucoup beaucoup de puissance, mais bon, j'ai pas envie de m'attaquer à eux. Je suis allié à, maintenant ils ont fait une alliance dans le dernier épisode, tant mieux, ça m'arrange, c'est parfait. Eux se sont arrangés pour détruire de leur côté les peaux vertes. Ça m'a arrangé. Donc ils sont allés pourchasser les peaux vertes dans les montagnes. Et moi, je suis peinard. Comme ça. J'ai pas à le faire. Sûr qu'on n'aura pas combattu les peaux vertes dans le jeu, mais c'est. Bon, les peaux vertes, on connaît. On sait à quoi ça ressemble. On connaît l'odeur. Voilà. Bonjour mesdames. Je vais vous mettre là. Ah, jouer. Non. Alors, on va vous mettre derrière. Couvrir les flancs. Mon héros. Toi, t'es avec un aigle. Ok. Oh, je vous ai oublié, vous. Ah bah vous allez aller derrière en renfort. Voilà. Mais bon. Hop. Parfait. Et ma cavalerie, comme d'habitude, va aller les flanquer. Non, non, non et non. Ouais, il faut comment dire? Le petit cadenas qui est au-dessus, là, s'il n'est pas verrouillé, eh bien, ça prend pas en mémoire les positions qu'ils ont prises. Ce qui est une nouveauté de Total War, parce qu'avant, ça n'était pas sur les anciens. C'est bien de rappeler les bases. D'ailleurs, si vous voulez voir les emplacements où vous les envoyez, hein, vous appuyez sur espace, en même temps de les faire bouger. Et là on a toutes les icônes pour savoir. Ah, masquer le feuillage. Ah bah voilà, c'est ça. Mais ça marche comment masquer le feuillage? C'est vrai que je découvre ça sur le dernier épisode. On peut masquer le feuillage! Je crois que c'est en descendant. Toi, ta mission. Alors attendez. Oui, ma. C'est d'aller me tuer ce guignol. Où sont les plus forts de tous là? Les. Ouh la vache. La 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 la. Bonjour. Oh, ils prennent cher avec les ces archers. Ça à tout prix là. C'est ça la plus grosse menace pour moi quoi. Là, vise ça. Ok. On va aider les copains. Toi aussi, renfort. Oh la vache, regarde. Oh,
Ouais, heureusement toutes leurs forces sont en train de courir après ma cavalerie. C'est marrant ça. Vous l'avez testé? Attention derrière vos dos. Voilà, voilà, là, vous dispersez pas, vous dispersez pas. Hop, dans le dos, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Coucou! Eh oui, je suis dans votre dos. Archer de mes pacotilles. Allez, on revient au centre. Ok. Ah oui, un naine qui arrive dans votre dos, c'est pas la même. Orc. Voilà comme j'aime les hommes bêtes. Massacré jusqu'au dernier. La cavalerie elfique, franchement, je crois que c'est ma préférée. Pas par sa force, mais par sa mobilité. Elle est vachement mobile. Et pourtant, je la trouve beaucoup plus mobile que les loups des gobelins ou les centigores des hommes bêtes. Je pense que ça doit être parce que ça doit être des cerfs qui montent. C'est moins lourd que des chevaux, mais je la trouve très très mobile. On dirait des galas. Comment ils bougent? On dirait des galas. Des galiminus. Ça me fait penser à ça quand je les vois courir, on dirait des Galinus. Regardez comme il bouge, on dirait qu'il fuit un prédateur. Allez, 131 morts, ouais, bien joué. J'ai une unité de lancier qui a subi. Bon. Je crois qu'ils ont encaissé les enfants du chaos. Ok. Il ne fuit pas. Voyons. Non, attends. Voilà, extermination. Et eux sont montés de level. Non, malhonnête. Ah bah bravo. Qu'est-ce que je pourrais te faire, toi? T'as déjà tout. Du coup, lui, il peut bouger. Je voulais pas bouger tant que je savais pas où était l'autre armée. Maintenant je sais où elle est. At your service. How can I assist you?
Oh, tu viens, tu reviens. Mignon. Tellement perdu de force que... Oh, 10% ça sert à rien du tout. Tu peux me faire quoi toi sinon... Ah ça c'est pas mal ça. Moins 8%... T'as raté, je suis déçu. Ah ouais, ils ont perdu mais truc de fou quoi. Ouais, je vais pas me prendre la tête. Bien joué. Merci. Ici, on va pouvoir faire... On va faire ça, tiens. Voilà, parfait. Donc, où j'en suis moi? On va faire ça. Toi, tu vas jeter... Alors, maintenant, je peux... N'importe où je vais, je n'ai plus de... Ah oh, ça c'est trop bien ça. Je n'ai plus du tout de... Comment ça s'appelle? De... D'attrition. Je fais mon espion, mais alors... ils ont que des squelettes. Ouais, parce que j'ai plus de pognon en fait. C'est pour ça. Ils sont où avec les peaux vertes là-haut là? Ah bah je vais peut-être... Ah d'accord. Ils ont que des... dragons. Maintenant faut que je refasse ça là. C'est bien que c'est plus petite... Est-ce que j'ai oublié une armée? Ah non, j'ai pas oublié. Bonjour. Voilà. Ah, t'as réussi à t'enfuir? Saligo, quoi. Attends. T'enfuis pas. Voilà, adieu Bordelot, on n'en parle plus. Ça fait partie du passé. Tellement parfait ça. D'accord. On va revenir à bord de l'eau tranquillement, refaire ses troupes. Et après on va l'attaquer ce qui reste. Hop. Deux revins libres. Attends, Guillerne, c'est où ça? Non, c'est chez moi. Ah oui, d'accord, parce que oui, parce qu'ils ont pas encore fait de... Ok. Et ici, il reste plus que toi. Voilà, on est au complet. Le conseil éthique est complet. Bon. Il y a lui maintenant. Ne déclare pas la guerre, hein, fais gaffe. Le mec il veut que je leur paye 10 000 et il veut me faire une énergie défensive. Et les gars ils se croient en position de force. Oui alors si vous voulez qu'on soit alliés, vous me payez 9 000 couronnes. Non.
Lâchez-moi, vous! Qui c'est qui veut mourir en premier? Toi! Non. Toi! Oui. C'est marrant. Magnifique. Toi! Oh la vache, les mecs! Appliquez-vous, bon sang! Glade Lord, at your service. Beginning my journey. On va se mettre la peinard. To arms! Youhou! Destroy them! On va faire non. Toc toc. To war! Je pense qu'on va le... On va le faire ce siège, je crois. On n'a pas fait de siège avec les... Defender of Athelwall. And go slow. Toi tu vas nulle part. On va faire ça. Coucou. Yes. Et on va faire ça. The hunt. Onward. Non 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 mais tu pars pas. T'as interdiction de partir. I thirst for the hunt. Salut vous. C'est quoi ça? Plus 4 quant au commandement. Ok, alors, je dis sincèrement, ça me fait chier de faire cette bataille. On va la faire. J'en ai marre de tuer des hommes bêtes. Oh là là. Bon, je vous dirais là, j'ai quand même hâte de voir la fin de cette campagne. Parce qu'elle est longue. Mais j'ai regardé en moyenne le nombre de d'épisodes que font les campagnes. Et je crois que ça tourne autour des 25. 25 épisodes pour faire une campagne. Une campagne, je veux dire. Une campagne spécifique d'un... d'une faction. Et pour les campagnes longues, je tourne autour de... Je crois que ça doit être 40-45 épisodes. Et en fait, ça me fait ça pour tous les Total War. C'est ça qui est assez drôle. C'est qu'en moyenne, que ce soit le Total War Rome 2, Empire, ou Warhammer, ça tourne toujours au même nombre de d'épisodes. Donc comme ça, je peux savoir... Quand est-ce la fin? C'est vrai qu'Orion, lui, il allait chercher de base. Que j'ai pas voulu changer. Oh, il est pété, Orion. Bon, c'est assez de base qui sont quand même rang je ne sais combien. Ouais, c'est vrai que vous...
battle. Voilà, faites attention, j'ai pas envie de vous perdre pour rien. Oh, font mal les sœurs contre les... Allez, on vient, on fait pas de simagré. Ouh, allez, dans leur dos. Allez, suivez-les, merde. Ça m'énerve, ça. Oh, attendez. Vas-y, tu me suis ça. Orion, tu te focus là-dessus, s'il te plaît. Et tu vas me faire un petit coup de nettoyage. Parfait. Hop, tu remontes là. Ok, toi. Oh bah il est mort leur seigneur. Décédé. Là-dessus. Ça, c'est mon pire ennemi. C'est quoi ça comme cavalerie? Ah oui, d'accord. Allez hop, tu me fonces là-dessus. Parce que comment ça me saoulait. Orion. Voilà, c'est pour les remotiver. Oh bah d'accord. Non mais attendez. Ils sont déjà en fuite. Ils ont pas eu le temps de venir les autres. Ok. Ils se sont même pas battus, j'ai pas eu le temps de les installer tranquillement. On fait gaffe. Vous allez tuer les nôtres avec ça. 3 pertes, 142 morts de mon côté. Ils sont 1000 morts, oh la vache. Ah oui, quand même. D'accord. I am called for. Master of the Wild Hunt. Ouais. Ouais, on en parle plus. Protector of the forest, following your orders. These are dark times. Tu vas me refaire ça. Very well. Et toi Orion, tu remonteras là-haut. Bon. Toi t'es monté le level. Non c'est pas toi, c'est qui? Bien joué petit canaillou.
Oui. Spell singer. Je crois qu'on est bon. By all means. Voilà, mets-toi ici, tu surveilles. Qu'est-ce qui me manque ? Glade Lord, at your service. On est bon là, je crois. Et voilà, on va faire ça pour finir le toutes les technologies, ce sera parfait. Je n'ai plus trop de menaces. Proud son of Athaloran. Hop. 190e tour. Now they'll see. Oh. Oh, ils ont repris. Ah oui, les. Oh là là. Ah, ils ont pas d'armée eux, hein. Attends, sont où vos armées? Ok. Ils ont pas d'armée les. Ça va poser problème ça, parce que si les peaux vertes reprennent tous les territoires. Ouais. Oh, un drac. Ça fait plaisir, un petit drac. Cette armée, je vais l'envoyer à côté montagne. Pour éventuellement les peaux vertes. Alors, oui, ok, construction terminée. Je sais même plus ce que j'avais ici. Ça. God King of the Deepwood. Et for Isha, hop. I go. S'en fout de l'intrusion. Ouais, voilà, c'est réglé. Voilà. Vilain, pas beau, vous me ferez plus chier. Can I offer assistance? Glade Lord, at your service. I will do my duty. These are dark times.
Ah, merde. Ah, fais chier. Non. Je vais me débarrasser de ce héros, mais... Il est mort. Bon. Il reste plus que le vampire. Toi, t'es allié avec qui, toi? Hey, tu vas m'espionner ce qui se passe là. Protector of the realm. Ils ont rien du. Tu vois ça? Ah, flèche infectieuse, d'accord. Cette armée. Qu'est-ce qui me manque là-dedans? Bah allez, aussi, t'as le droit à un drac. J'aime bien les drac. C'est calme, un peu trop calme. My hounds will gorge themselves upon tu me déclares la guerre? Attends, t'es en train de me faciliter la tâche. Non, mon allié, c'est... Vache. Oh, ils vont spammer des squelettes, quoi. Ça c'est le squelette de base, hein, c'est... Par contre ils ont mis ça, c'est un peu plus fort. Ils ont rien, ils ont des zombies après. Ouais. On va reculer. Pour prendre les... devant. Lord of the Forest. How can I assist you? Your orders are acceptable. Ici, il me faudrait. Anything is possible. Voilà. Proud son of Athaloran. Je dis oui, je dis oui. Le mec, il a d'autres dragons, quoi. What would you have of me? Proud daughter of Athol Lol. Making my way. Your orders are acceptable. On va se mettre comme ça. Can I offer assistance? Alors, bâtiment construit. J'étais un peu silencieux, j'étais en train de réfléchir. Ok, donc, ce qu'on va faire. Toi. Il te faut encore deux tours.
Azdia Athalor. These are dark times. As you said, Lord of Athaloran. The forest is whispering. Ransacking. Ok, bon. Ah, il y en a un qui attaque. Comment il sait que je suis là? J'hésite vraiment parce que je sais pas du tout si je pourrais faire face à ça en fait. Never. Bon, il y a ça qui est risqué, mais c'est pas grave. Encore un tour, on y en est bon. Et là, je me prépare à la guerre contre la Gasconie en fait. Je vais les... Je vais les titiller un peu. J'ai oublié de bouger cette armée là-haut. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'ils avaient ça. Ah merde, ils vont tout perdre là. Bravo. Bon. Va falloir que j'aille envoyer des renforts pour eux, moi. Alors ici, je peux améliorer ceci, je peux améliorer cela. Là, je peux faire peut-être... Je vais faire ça. Là. Faire ça là, je peux faire ça. On va faire ça. Voilà. Allez, désolé, j'ai dû faire une ellipse un peu soudaine parce que j'ai eu un coup de fil. Mais de toute façon, on est sur la fin de l'épisode, donc il va falloir que je m'occupe de ces vilains petits vampires là. Et il faut vite que je fasse remonter mes armées. C'est vrai qu'ils sont un peu isolés là-haut. Ou alors cette armée aussi je vais la faire remonter. Ouais, cette armée je vais la faire remonter sur les vampires. Ça veut dire que les vampires sont en masse. Hein. Et ça va être très compliqué pour moi. Bon, y a que des niveaux 1 sauf le duc écarlate. Ouais, ouf. Bref, j'espère que... Voilà, on va essayer là. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes sur Total Warhammer avec les elfes civiens et bien sûr les mains sanglantes.
Donc la semaine prochaine, je pense que ce sera les derniers épisodes de qu'on verra avec les peaux vertes. Les peaux vertes. Les elfes sylvains, parce qu'il me restera à anéantir là. Alors je sais pas combien il reste, peut-être 2-3 épisodes encore. À anéantir les vampires, la Gasconie et les peaux vertes. Donc plus grand chose. Allez, je vous souhaite à tous. Je sais même plus, on est quand. Une bonne semaine. Donc ouais, il doit rester un ou deux cette semaine, un ou deux épisodes, et après on sera bon. Allez, ciao tout le monde!